Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour ce 17e épisode de mon Let's Play sur le jeu sport saison 3. Alors, on a énormément de choses à faire dans ces épisodes, dans cet épisode en tout cas, et les prochains. On a des planètes à monter en T3, donc en l'occurrence on a fini Ourou, faut qu'on monte Gizi en T3. Déjà on va rentrer, vendre des trucs, ravitailler, récupérer de l'énergie, voilà, se remettre bien. Juste regarder les commerces. Ok, c'est nul. Il faut qu'on achète 2-3 trucs aussi. On va peut-être pas aller là parce que j'ai pas envie de racheter le système. Il faut qu'on achète la santé plus et l'énergie plus. Je crois qu'ils sont tous les deux en vente. Évidemment, pas ici. Infernal. Essayez de trouver les bons... les bons empires qui vendent des trucs. 44 000, c'est pas énorme. Ouais, quoi que c'est des pièces jaunes. Toc, donc là j'ai acheté 100 et plus, je crois. Je crois, je sais même plus ce que j'ai acheté, je suis tellement fort. L'auto-dessert, à la limite, on pourrait l'acheter, ce serait pas plus mal. Et rayon de joie. Ouais. On va acheter l'auto-dessert, le rayon de joie. Toujours ça te fait une impulsion, ça c'est déjà pas mal. Donc il faut qu'on monte des colonies en T3 et ça va pas être de la tarte du tout. Il faut qu'on monte, on va commencer par la bleue, comme ça on aura fini avec ce système. Oh la vache, ça monte super vite. J'ai beaucoup d'épisodes, non? À qui l'ai-je vendu déjà dans l'épisode précédent? Oh, je sais plus. Bon, alors attendez. Me dis pas que c'est à toi, sinon je rigole. Ok, bon bah je peux te le vendre, c'est nickel. Juste à côté, hein. Juste à côté, ça se vend super cher. Grande soute. Ah, la grande soute, très bon état, grande capacité énergétique. C'est très très bien la grande soute. Parce que là, pour le coup, j'en avais un peu marre de me trimballer tellement de créatures que je pouvais plus rien faire. Alors. Là, il faut que je fasse pas mal de choses. Et du coup, depuis que j'ai installé des créatures Pikachu, il y en a partout. C'est incroyable. Donc là, il faut que je dédensifie un peu l'atmosphère et que je la réchauffe. Alors, je me souviens avoir acheté des outils de terraformation. Des outils de terraformation à la mano. Faut croire que non. Je pensais avoir acheté des outils de terraformation permanents là. Faut croire que je l'ai pas fait. Ouais, ils sont là. Bon bah allez, ça va coûter super cher parce que c'est sur notre truc natal. Mais bon, faut faire avec. Voilà, donc là il faut dédensifier l'atmosphère et en même temps la réchauffer. Donc on va la réchauffer. Et on va aspirer les nuages. Ils se prennent des météores sur la gueule, forcément. Allez. Ça y est. Continue un peu dedans et je vais commencer à poser les nouveaux arbres. On peut même monter en T3 quoi. Ouais, bon, par contre là je vais avoir de gros problèmes si ça continue. Donc là j'ai posé une petite. Celle-là elle était déjà présente. Celle-là elle était pas. Celle-là elle était pas non plus. Faut que j'ajoute des plantes. D'accord, là je suis sorti du truc. Donc je me méfie. Mais voilà. Je suis en train d'aller trop loin, il faut que j'arrête ça. Remonte.
Énergie faible. On fiche. Voilà. Stop. Tu vas arrêter de bouger. J'ai des trucs à faire. Voilà, ça y est. Je l'ai mise correcte. Ça n'a pas été de la tarte. J'ai plus beaucoup d'énergie. Allez, hop, une nouvelle colonie qu'on va mettre je sais pas où d'ailleurs. Hop, ici c'est très bien. Il faudra que j'aménage en plus. Et ben, c'est pas très simple quand même. Quoi. Oula. C'est lesquels? C'est les roses? J'ai pas encore le matos pour me friter, donc bon. On va envoyer des sous. Et ensuite on leur tatanera la gueule. Parce qu'ils sont pas sympas. Ça coûte bien trop cher. On va juste ravitailler. Et on va retourner terraformer. Sauf que là, je vais avoir quelques problèmes. Alors, attendez. Où est mon épice violette? On va récupérer des sous. Faut que je m'achète une grande soute. C'est clair et net parce que j'ai genre plus de place pour rien du tout. Toc, la grande soute. Parce que là, ça va servir à rien de terraformer étant donné que j'ai pas les bonnes créatures. Enfin, j'en ai pas assez. Donc on va aller récupérer toutes les créatures possibles sur Assain. Les créatures, les plantes, tout ça, on va tout récupérer. Histoire d'être tranquille. Voilà, déjà ça. Oula, je suis en train de tout balancer ailleurs. Donc là, on récupère d'autres plantouilles, des créatures. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai déjà tout pris, quoi. Que ça m'embête un petit peu. Ah, des nouvelles créatures, ça c'est cool quand même. Oula. Ok, ça m'a l'air d'être à peu près bon. De nouvelles créatures, c'est très intéressant. Voilà, je vais juste voir si je peux pas prendre des carnivores, parce que je crois que j'ai pas de carnivores. Supplémentaire. Elles sont où? Voilà. Bon, je pense qu'avec ça, ça devrait être bon. On va essayer avec ça. Normalement, ça devrait être bon. Allez, ma planète à épices bleues, j'arrive. Ensuite, faudra que j'aménage les villes. Ça va genre bien produire. Donc là, il faut redensifier l'atmosphère. Et la refroidir. Et... voilà, on va la refroidir. Ça va arriver. Dès que c'est dedans, on y va. Toc, et le grand arbre.
Toc, stabilisation de la distée, ça c'est bon. Là, il faut qu'on pose des créatures. Et voilà. On va pouvoir poser la dernière colonie. Il faut que j'aménage les deux autres. Celle-là, il faut que je l'aménage. Eh ben, c'est nickel! C'est nickel! Ça passe juste comme il faut. Non, c'est l'usine qu'il faut que je commence. Toc, le complexe. Pour rendre les gens contents. Et encore une usine. Toc, du plus 86 à l'heure. Et ça augmente notre base de colons. Qui finit normalement par nous donner le dernier moteur interstellaire, ce qui est non négligeable. Toc. Ça va produire en épices bleues. Ça, c'est clair. Ça va bien produire. Non. Par contre, ça coûte tellement cher de faire des... comment ça s'appelle? Des bâtiments. Toc. Voilà, donc là, je crois qu'on a du plus de 140 et des patates par heure, donc c'est... complètement pété. Et on va y aller avec ça. Il faut qu'on continue sur cette lancée. On a... Ah, tiens, 15 sur 15. On a déjà terraformé deux planètes sur toutes celles qu'il faut qu'on terraforme. Sachant qu'on terraforme pas les rouges, vu qu'elles sont déjà... on en a déjà une. Ouais, on va peut-être pas acheter la grande capacité énergétique tout de suite. Quoi? Pourquoi il y a un gros truc rouge? En plus, c'est chez moi. Vous énervez pas, les mecs. Alors, faudrait que je vende cette épice rouge un jour. Il commence à s'accumuler comme pas possible. Ah, j'ai pas vendu tout mon épice violette. D'accord. Toc, elle est là. Tiens, combien se vend l'épice bleue? Pas beaucoup. Ok. Toc, l'épice violette. On va finir par rendre ce qui manquait. Voilà. Donc là, on est bon. Là, on est très très bon. Ou pas, parce qu'il faut qu'on terraforme ici. Il faut qu'on terraforme le vert. On n'a pas encore fait le jaune. Il y a un deuxième rose à faire. Bon, on va faire le jaune. Jaune qui est à côté, c'est une planète de type verte. Donc pas trop trop compliqué, en plus c'est déjà T1. Alors. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc il faut qu'on densifie l'atmosphère et qu'on la refroidisse. Bon, ça me rappelle quelque chose. Toc. C'est parti, ça se fait bien. Donc on va relâcher parce que sinon il va y en avoir trop. Commencer par le début. Toc, toc, toc. Il y a une espèce déjà présente. Ok. Les deux espèces sont déjà présentes. C'est pas cool, mais c'est pas grave. Bon, stabilisation de la distée terminée. Et on va tout récupérer. Histoire d'être tranquille pour une nouvelle planète. Ça c'est bon. Évidemment, j'ai toujours pas de... Oh, c'est déjà fait?
On va pouvoir restabiliser ce qui nous manque. Ah oui, ça va vite. Ce qui me fait penser que... Je vais l'empêcher de sortir de là. Voilà. L'empêcher d'aller trop loin. Toc. Et non, toujours pas stabilisé parce que... Il y en a une qui est déjà présente. Voilà. Comme ça, on est bon. Là, il faudra juste que j'achète deux colonies express quelque part pour stabiliser cette... Enfin, pour stabiliser. Pour mettre cette, cette planète en place. Et mettre des bâtiments aussi. Donc on va aller voir s'il n'y a pas des colonies express un peu partout. Oh, il y a quelque chose ici. Ouais, c'est pas... C'est pas le moins cher, mais c'est pas aussi cher que ce que je pensais. Donc voilà, les... Zut, il y avait quelque chose, évidemment. Les deux colonies express, on va pouvoir les poser. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc? Outil de terraformation, c'est bien, ça prend pas de place dans l'inventaire. C'est quoi, c'est... Colorie la surface de la planète en mauve. Ah oui, là pour le coup ça se voit. J'aime bien cette technique de bourrin pour colorier la planète quoi. Planète jaune. Bilokov. Toc toc, rien à vendre. On va déposer les... Les deux colonies. Pouf. Et l'une. J'ai regardé où est l'autre d'ailleurs. Pour finir de l'aménager. En attendant que l'autre se place. Toc. Voilà. Je suis bloqué. On sort de là. Toc. Dans le complexe. Les deux usines. Et le reste, c'est des maisons. Je crois que ça va faire augmenter le badge colon, mais alors à mort. Juste regarder d'ailleurs où il en est. Colon, voilà, 98 sur 100. Ça débloque l'excellent état, super tourelle, grande la capacité énergétique extrême, bombe antimatière, méga bombe, plein de trucs. Plein de trucs. Ah ouais, il faudrait le passeport trou noir, parce que je me souviens que dans ma version CD, donc les versions des deux saisons précédentes, les trous noirs buguaient, faisaient planter le jeu, enfin pas planter le jeu, mais je pouvais pas sortir de l'autre côté du trou noir. Je pouvais pas sortir du trou noir. Et je me demande ce que ça va faire dans cette version, vu que j'ai acheté une copie digitale sur Steam pour cette saison. C'est d'ailleurs celle sur laquelle je joue. Ouh là 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 là, je me fais appeler par tous les gars de l'univers là. C'est pas cool. Sans le bordel. Toc. Je me suis un peu mal pris, non? Non, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Voilà. Colon 4. Méga bombe, pompe antimatière, capacité énergétique extrême, super tourelle, excellent état. Nickel. Et en plus de ça, là ça va produire. Bon, par contre, ce qu'il faudrait, c'est des stockages à des trucs pour stocker des épices. Des stockages supplémentaires, parce que là, je sens que je rentre sur
Oui, ça fait 20 minutes. Je rentre sur cette planète-là, là. Je pense qu'on a 15 et 15. Ouais, 15 et 15. Donc il faudrait vraiment que je débloque les soutes... Pas les soutes plus grosses, les... Ah, comment ça s'appelle ? Ils me les vendent pas. Réserve à épices, si. Ils m'en vendent. Ça coûte juste la peau du cul. Oh la vache. On a acheté deux. Je sais pas combien on peut en poser par planète. Je sais pas du tout. Je sais que ça monte de 5 unités, je crois. Mais pas sûr. On va juste attendre, voir si je peux poser si je peux pas poser une deuxième. Si je peux poser une deuxième, ça sera cool. Pas plus d'une par plate. Évidemment, je peux pas en poser une deuxième. Bon, ça monte à 30. Ah bah quand même. 30 unités, c'est cool. On va faire pareil pour les bleus, on fera pareil pour les jaunes. En fait, on fera pareil sur les planètes à T3 où j'aurais mis des trucs, parce que sinon ça va jamais y arriver. Ah, 38 000, il va falloir que j'aille voir ailleurs. Bon. Toc, là c'est bon. Quantité d'épices disponibles relevée. Voilà, on va juste aller voir pourquoi ils me bipaient, les gens, là. Qui me bip? C'est toi? Ok, une bourse amicale de 10 000 sportflouzes. Ah, mais nickel, hein. Moi, je suis content, hein. Et c'est sur ce petit don de la part d'un empire qui est même pas mon allié qu'on va arrêter là l'épisode. Je vais juste regarder, ça se voit encore moins cher. Bon, par contre, les pièces jaunes qui sont bien. Voilà. On va arrêter là l'épisode. Il faut que je trouve une planète qui me rachète de l'épice mauve à un bon prix. Je crois que l'épice d'Idala là, sur Show 14, elle le rachète bien. Faudra qu'on fasse ça. Faudra qu'on continue de terraformer. On va finir le défi de terraformation normalement, je pense, dans le prochain épisode. Il me reste quoi? Il me reste les vertes, les roses, et c'est tout. Donc ouais, normalement on devrait arriver à finir le défi dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous !